Bonjour, j'espère que vous allez bien pour cette méditation express Nouvelle Lune. Celle-ci est une Nouvelle Lune particulièrement puissante puisqu'elle se trouve dans l'énergie du début de l'année. Mais toutes, elles portent le dynamisme de la croissance. Installons-nous confortablement de la façon qui nous plaira. Assis ou allongé, fermons nos yeux, joignons nos mains et sentons l'unification intérieure se faire grâce à notre pensée qui joint le haut et le bas de notre corps. Notre conscience qui perçoit ce qu'il y a au-dessus, en dessous et de tous les côtés. De respiration en respiration, détendons-nous en observant chacun des organes sensoriels, d'abord les yeux, les fosses nasales et les narines, les oreilles, les lèvres, la langue. Et puis toute la peau, détendons toute la peau, donc tous les muscles en dessous. Toutes les articulations, en commençant par celle de la mâchoire et puis tout le dos, les épaules. Les hanches, les genoux et jusqu'aux chevilles et à tous les petits orteils, comme les doigts. Cherchons à nous sentir bien avec nous-mêmes, bien avec ceux qui nous ont précédés, avec ceux qui vont nous suivre et avec tous ceux qui sont là, en même temps que nous, près ou loin. Relions-nous aux grands êtres, aux huit immortels en particulier. Relions-nous à la nouvelle lune. Toujours les mains en namasté, remercions-la de se montrer dans le ciel. Et puis ouvrons nos mains gentiment et posons-les sur la poitrine de la façon qui nous vient. Adressons-nous à un compliment d'amour. Car nos projets, ceux qui vont avec la nouvelle lune, verront harmonieusement le jour si nous entretenons d'harmonieuses relations avec nous. Et puis choisissons maintenant un projet qui nous tient à cœur, soit pour le mois, soit pour l'année. Mettons ce projet dans l'amour de tous, l'amour de tout, notre amour à nous, et observons ce que la Lune nous enseigne. Elle nous enseigne que cela commence tout petit et dans le noir, presque invisible. C'est un petit peu comme un petit embryon dans le ventre obscur de la mère, qu'on soit homme ou femme, ne change rien. Plaçons notre attention en bas, dans le bas-ventre, homme ou femme. Et laissons l'amour du cœur et l'attention du cerveau descendre dans ce lieu profond qu'on appelle le chakra sacré. Respirons par le bas-ventre. Et c'est comme si nous placions cette intention, ce projet dans le bas-ventre, comme un bébé. Et comme il s'agit bien sûr d'une couvaison énergétique, les messieurs peuvent tout à fait faire la même chose.
haut, nous regardons cette fine ligne de la pleine lune et nous descendons jusqu'en bas et nous amenons cette lumière laiteuse et protectrice jusqu'à notre projet. Elle lui donne de la douceur, même si c'est un projet difficile. Et elle nous aide à admettre que les résultats ne sont pas à attendre à l'instant de l'impulsion. La lune nous apprend encore de nombreuses choses. Elle nous apprend qu'il faut 14 jours jusqu'à la pleine lune. Pouvons transformer chacun de ces jours en semaines ou en mois, selon la nature de notre projet, et comprendre la loi de la croissance. Demandons toujours, alors que nous restons dans notre ventre, demandons donc à notre cœur de se détendre encore davantage, parce que l'impatience fait partie de ces intoxications. Aimons notre projet, aimons le temps. Et puis nous observons que, qu'il neige ou qu'il vente, la pleine lune survient. Et demandons à la lune de nous donner la confiance dans notre projet, la foi qu'il va s'épanouir et que nous allons réussir. Cherchons à visualiser la lune qui doucement va grandir. Nous pouvons imaginer les balbutiements de notre projet. Par exemple, si nous voulons repeindre une pièce, nous pouvons commencer à voir les ustensiles, tout ce qu'il y a, les pinceaux, la peinture et même peut-être un début de préparation, les bâches sur les meubles, etc. Sourions-nous, sourions à ce projet. Et donc il sort petit à petit du ventre. Il voit le jour. Et demandons à la lune de continuer à descendre et à éclairer l'amour de notre cœur et la claire vision de comment nous y prendre. Observons encore comment justement, quelle est la méthode de la lune pour grandir. C'est une méthode très particulière, qui est tout à fait taoïste, qui est de ne pas agir. C'est le non-agir bouddhiste, c'est le faire sans faire des taoïstes. Donc ça ne veut pas dire que nous devons nous installer dans notre canapé et que la peinture va se faire toute seule. Mais ça veut dire de travailler avec notre volonté et surtout, c'est l'univers qui se charge de transformer la nouvelle lune en pleine lune. Donc n'oublions pas de remettre notre projet et envoyons-le maintenant à tout l'univers pour qu'il nous aide. Peut-être que nous allons tomber sur la couleur exactement que nous voulons, des soldes sur les pinceaux, des petits signes qui vont nous encourager à utiliser la volonté de nos reins. Prenons un instant pour observer comment la lune devient de plus en plus déployée sans effort. Grâce à la complicité de la terre, du soleil, des étoiles, et tout ça pendant que tout le monde tourne à toute allure. Le non-agir n'est pas la mort. Observons notre projet et voyons comment nous pouvons le faire sans le faire. Quelquefois, il s'agit juste, comme la lune, de lâcher prise et de faire les choses sans nous y accrocher, sans rajouter des commentaires,
obscurcir notre cœur, notre esprit, perdre la conscience du ventre. Et doucement, nos trois foyers alignés, le cerveau et les yeux, les trois yeux qui accueillent l'enseignement de la lune, le cœur ouvert qui aime tout et nous-mêmes pour commencer. Et dans le ventre, la puissance du Tantien, la puissance des reins, de la volonté, jusque dans le périnée et l'ancrage à la terre. Avant de nous reposer, demandons-nous si notre projet peut être soutenu par la terre, s'il mérite le soutien de l'univers. Si notre cœur se serre un peu, avec la complicité de la lune et de l'univers, cherchons comment l'envisager autrement. Peut-être que c'est juste une façon interne de le considérer. Et il me vient à l'esprit que la façon interne qui nous fait échouer, c'est qu'en même temps que nous pensons à nos projets, nous pensons que nous n'y arriverons pas. Observons la lune et rappelons-nous que jamais, heureusement jusqu'à aujourd'hui, elle est restée à l'étape de nouvelle lune. Et remettons-nous en confiance à l'univers. Demeurons ainsi dans l'univers détendu, tranquille, avec notre projet qui reçoit toutes les énergies nécessaires. Merci, à bientôt.